Bonjour à tous, c'est Juan et vous êtes sur la chaîne Universia. Je suis ravi de vous retrouver les amis et la famille Sensea pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier chevalier d'acier à sortir en version Revival et il s'agit de Daishi. Daishi figurine classique, laine, style close ou chevalier d'acier ou petit renard chez nous. Figurine que vous pouvez vous procurer sur la boutique Luna Park Store. Vous avez le lien en description afin de vous acquérir le dernier chevalier d'acier si vous voulez faire la collection. Allez, on va découvrir la review justement sur ce Daishi, puis on se retrouvera plus tard pour voir mon avis sur cette vidéo. Allez, ciao 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 les amis! Dernier chevalier d'acier à sortir en version Revival Daishi, chevalier d'acier du petit renard chez nous en France. Style Close Land en version originale, comme Sho pour l'air et Ushio pour l'eau. Ces armures ont été créées par la fondation Grad et par le pouvoir de la science à la demande de Monsieur Kido pour protéger la princesse Saori en plus des brosses saintes. Les chevaliers d'acier font leur première apparition uniquement dans l'anime original, mais aussi lors de la saga Saint Seiya Omega. Revenons sur la figurine et ce Daishi Revival a eu antérieurement une première version éditée en 2011 qui venait dans un pack avec une double figurine Ushio Steel Saint Claus Marine et le Daishi Steel Claus Saint Land. A contrario, les Revival, elles, ont droit à leur boîte individuelle et séparée. Nous l'avons vu avec Sho du Tucan ou Steel Claus Saint Air Revival sorti en 2021, Ushio de l'Espandant et ce dernier Daishi du Petit Renard, fin des Chevaliers d'Acier en version Revival Bandai. Alors bien avant ces versions de figurines, les Chevaliers d'Acier ont eu droit à leur premier essai en jouet également, sachant que Bandai les avait créés afin de vendre des figurines bien sûr. La première à sortir, la Saint Claus série Les Vintage, plus communément dit en 1987, avec les fameuses boîtes jaunes à voler et en version japonaise. Puis elle eut aussi une réédition en 2003-2004, la version Mid Claus en 2011 en duo avec Ushio, et cette dernière en version Revival aujourd'hui en 2022. Alors cette boîte de Daishi, on commence par la face. Avant, le personnage dans une configuration attaque comme ses anciens coéquipiers, le fond bleuté est fait avec des éléments graphiques car pas de constellation pour ses armures. Le totem ou forme objet Transformers du renard à roulettes pour représenter l'élément Land terrestre. Les stickers Senseiya, Tamashii Quality, Toy et la mention Collector Shop. Sur une tranche, nous allons retrouver la représentation du porte-objet, forme, objet ou totem du renard avec lequel il roule dessus. L'autre tranche, tout simplement Daishi dans une configuration simple et stoïque. Et le verso de la boîte, le perso en grand avec son attaque et le fond renard derrière. La représentation terrestre du porte-armure ou forme objet du renard. Une pose d'attaque, une pose avec son porte-armure, image que l'on voit dans l'anime lors de la représentation des chevaliers d'acier devant les brosses saintes, les trois visages dont le visage bonus, mais on va voir ça un peu plus en détail. À l'intérieur de la boîte, nous allons retrouver deux blisters bien séparés et non comme pour la première version. Dans le premier blister, nous allons retrouver le personnage, les éléments d'armure des différents membres, les protège-gants, les jambières, les genouillères, les trois paires de mains, dont une paire de mains civile supplémentaire qui serait pour mettre en configuration personnage sans armure et totem monté, les avant-bras, les épaulettes, les mèches à mettre en version casqué, les deux visages à rajouter sur son personnage si on le souhaite, mais un seul visage bonus supplémentaire et c'est le seul élément supplémentaire que nous allons retrouver dans cette version Revival. Le deuxième blister, les éléments centrales du corps du personnage, les parties pectorales et parties dorsales, la jupe et la ceinture, ainsi que le casque et les éléments du porte-armure ou totem forme objet afin de monter ce renard à roulettes. Encore un transformer, mais je vous rassure, c'est la fin de ces totems là. Deux seules paires de mains exploitables en configuration armure et une paire de mains supplémentaires pour mettre en civil, et franchement c'est pas trop la folie.
deux visages en plus, dont le visage bonus bouche ouverte en mode attaque, afin de vous amuser à faire différents posings. Allez, on va attaquer par la rigidité du corps de ce Daishi. Et on peut voir que la rigidité du corps est très bonne pour ce personnage-là. Donc, on n'avait pas eu de soucis particuliers, que ce soit pour Sho ainsi que Daishi. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir bien s'amuser à faire de très très belles choses avec ce Daishi. Et on va attaquer, bien sûr, par le montage, comme d'habitude, par le bas, pour moi, pour ma part. Donc, les jambières et ensuite les genouillères. J'intègre les pieds. Alors il faut savoir très sincèrement que les genouillères ainsi que les jambières doivent être bien alignées. Ou sinon vous allez avoir la genouillère qui va avoir tendance à sauter. Donc faites très attention très sincèrement. Je passe en avance rapide. Mais j'ai eu ce souci là. Donc vraiment bien les aligner, parce qu'au moindre petit mouvement de la jambière, la genouillère saute. Donc bien aligner la jambière avec le genouillère, pour qu'elle puisse bien s'intégrer dans les encoches de la jambière. On fait la même chose sur la deuxième jambe et on profite pour bien rentrer, bien enfoncer, pour qu'il n'y ait pas de jeu justement lorsqu'on met bien les jambes droites, pour qu'il n'y ait pas de souci entre la genouillère ainsi que la jambière. Voilà, là vous voyez, c'est bien aligné. Allez, on va continuer ensuite par la partie pectorale. La partie pectorale, alors il faut enlever le cache de dos en plastique, puis il faut enlever ces petits cols en plastique également dorés. À ce moment-là, vous devez ouvrir la partie pectorale et l'enquiller sur le torse. Voilà. Ensuite, il vous faudra remettre ces petites encoches dorées à leur place, car elles vont nous servir de fixation pour les épaulettes. Et vous verrez que les épaulettes, de ce côté-là, rien n'a changé. On se retrouve avec les anciennes fixations d'épaulettes, comme sur la première version. Je pensais qu'ils allaient un petit peu améliorer ce côté-là, mais non, ils sont restés à l'identique Bandai. Donc ils nous auront rien fait de neuf sur ce côté-là. Allez, on va intégrer la partie dorsale qui s'emboîte à l'arrière. On clipse. Et voilà, le tour est joué. Il nous reste maintenant à mettre la partie centrale de la partie pectorale. Voilà, pareil. Qui doit se clipser. Et on le plaque bien vers le bas. Par contre, vous voyez que la partie pectorale a tendance un petit peu à bouger. Ensuite, on continue par les avant-bras et je vais mettre les mains en off, on va dire, puisque j'ai tendance toujours à les mettre en off, puisqu'il me faut vraiment les deux mains. Et vu que je suis un petit peu penché avec la caméra, donc du coup, je suis obligé, j'arrive pas forcément à bien les mettre. Donc une fois qu'on a mis les paires de mains, je vais mettre la ceinture qui se clipse, qui s'emboîte, très facile. Et nous avons juste à rentrer les petits pitounions de fixation sur la ceinture. Hop. Et voilà, et le tour joué. Il nous reste maintenant à mettre les épaulettes et le casque. Alors les épaulettes, voilà, rien n'a changé, c'est le même système de fixation que l'on doit emboîter à l'intérieur justement de ces petits cols plastiques qu'on a dû mettre sur la partie pectorale. Et vous verrez que lorsque vous ferez des mouvements de posing de bras, ces épaulettes auront tendance également à tomber comme les genouillères. Donc faites vraiment très attention. C'est vraiment pas très pratique de ce côté là. Et puis pour le casque, c'est un embrotage assez simple, mais encore une fois, on se retrouve avec la même mèche dégueulasse pour ce Daishi. Franchement, il n'est plus beau sans casque, puisque cette mèche avant à poser sur le casque est vraiment très moche. Alors j'aime pas beaucoup, ils n'auraient pas amélioré ce côté là, ils auraient pu faire quelque chose justement afin de se rendre ce Daishi beaucoup plus beau. Allez, c'est parti maintenant pour le posing.
Allez, nous attendons que maintenant les points positifs et les points négatifs. Points positifs. Le tarif sur cette figurine-là, même si elle était doublée par le Ushio, alors d'aujourd'hui, le pack Ushio ainsi que Daishi avoisine les 250 €, alors que celle-ci fait dans les 90 €. Le visage supplémentaire, comme pour chaque revival, le beau rendu avec l'ensemble des deux autres chevaliers d'acier, la bonne manipulation pour des posings avec ce corps classique. Dans les points négatifs, la chevelure casquée qui est pas bien taillée, c'est vraiment très moche, ils ont fait aucune amélioration par rapport à la première version. Les attaches épaulettes également sautent selon les mouvements, toujours pareil, pas d'amélioration par rapport à la première version. Les genouillères qui tombent aussi selon les positions que l'on veut faire en termes de posing. Et puis simplement deux paires de mains action, comme on peut retrouver également sur les deux autres chevaliers revival. Voilà pour les points négatifs et positifs. Pour le verdict de ce Daishi Revival, même chose que pour les deux autres chevaliers d'acier, à ce prix-là, si vous n'avez pas les chevaliers dans votre collection et que vous les procurer, c'est l'occasion de les acheter car ce sont de très bons compromis par rapport aux premières versions. Par contre, si vous avez déjà la première version, vous avez déjà les premières versions des chevaliers d'acier, ne dépensez pas votre argent, ça ne sert à rien, vos premières versions sont déjà très très bien. Je vous invite à aller voir les différentes vidéos et à vous abonner aux chaînes de mes confrères Reviewers. Il y a The CNS qui nous fait du Canon Revival, il y a également Mitrighter qui nous a fait la vidéo de Daishi Revival. Il y a également Mike Tigra qui nous a fait le Frody EX de chez Shine Time. Donc n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos de mes confrères et les suivre sur YouTube ainsi que sur Facebook. Et puis si vous voulez embellir vos figurines, il y a également les Frenchy Box de chez Kawan. Donc allez sur le site Coprima pour mettre vos figurines en valeur à l'intérieur des vitrines illuminées. Et puis sinon vous avez les Lycra de chez Creature pour sublimer et habiller vos figurines. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue sur le Daishi Revival du Petit Renard. J'espère que ça vous a plu. Fin des chevaliers d'acier en version revival en vidéo. Et puis on se retrouve prochainement, et ça sera la prochaine vidéo sur la chaîne Univers Seiya, le Shun d'Andromène version V3 EX Bandai, le Final Bronze Close qui sort le 27, il me semble bien. Donc ça sera la prochaine vidéo. D'ici là les amis, je vous embrasse très très fort. À bientôt, ciao ciao ciao.